Salut, ici Master Brita pour le site FactorGeek.com. Ce que vous venez juste de voir, c'est l'introduction du jeu Bounty Battle. Personnellement, je la trouve superbe. Le jeu Bounty Battle, c'est un jeu de combat dont le développeur est Dark Screen Games, l'éditeur Merge Games. Le jeu est disponible sur PC, sur Mac, sur Xbox One, Nintendo Switch et PlayStation 4. Je l'ai personnellement essayé sur la PlayStation 4. Le jeu occupe 1,28 Go d'espace sur le disque dur et je l'ai essayé en version 1.02. Ce qui démarque Bounty Battle, c'est vraiment la quantité de combattants accessibles, mais non pas seulement la quantité, c'est que la grande majorité des combattants proviennent de divers univers de jeux indépendants. Donc, avant d'aller plus loin, voici la liste des différents jeux dont sont issus les divers combattants du jeu Bounty Battle. Pour ce qui est de la liste des combattants, je pense que vous allez être d'accord avec moi que c'est quand même intéressant. Ce que le jeu nous offre de plus, évidemment, bon, il y a le fameux tutoriel hein, pour savoir maîtriser les différentes attaques et les défenses des personnages. Pour ce qui est justement des attaques, vous avez une attaque normale, une attaque plus puissante, une attaque surpuissante qui va demander, dans le fond, de dépenser un certain nombre de points. J'y reviens. Sinon, vous avez bon des défenses, vous pouvez une défense comme un genre de bouclier, vous pouvez faire qui est limité au niveau du temps parce que vous avez de l'énergie et ça vous prend de l'énergie comme les attaques. Bon, c'est du stamina. Quand je parle d'énergie, c'est du stamina. Donc, les attaques plus puissantes vont demander plus d'énergie. La défense, le bouclier va demander beaucoup d'énergie, donc il dure peu longtemps. Vous pouvez faire des roulades aussi, vous avez le fameux double saut. Bon, pour ce qui est des points, c'est que si vous effectuez des combos, vous allez obtenir un certain nombre de points. Si vous faites certaines choses spécifiques, là, vous obtenez des points. Ce qui fait que dans le combat lui-même, vous allez pouvoir dépenser ces points-là, bon, c'est comme de l'argent, pour, exemple, faire venir un personnage qui va vous aider. Bon, les personnages qui peuvent vous aider sont directement reliés aux personnages que vous personnifiez. Exemple, si vous personnifiez le personnage de Guacamelee, ben l'aide que vous allez obtenir en dépensant vos points, ça va être des poulets. Bon. Sinon, bon, chaque personnage a son aide spécifique. Sinon, vous avez le mode tournoi. Le mode tournoi, lui, c'est tout simplement bon que vous allez affronter différents adversaires et lorsque vous allez les avoir tous vaincus, vous allez être sacré grand champion. Voilà. Ensuite, vous avez le mode défi. Le mode défi, c'est tout simplement que vous devez non pas seulement éliminer votre adversaire, mais vous devez l'éliminer d'une façon spécifique. Parfois, vous allez ça peut être de sortir l'adversaire de l'arène. Ou sinon ça peut être de vous battre contre deux ou trois adversaires en même temps. Exemple. Sinon vous avez la salle d'entraînement. La salle d'entraînement, elle, c'est tout simplement pour peaufiner vos techniques sur un personnage qui lui est tout simplement dommé, il ne bouge pas. Donc voilà. Sinon vous avez le mode versus. Le mode versus, lui, il est uniquement local. Donc, vous pouvez jouer avec un ami ou une amie assis tous les deux sur le même divan. Hein, sur la même console. Mais vous ne pouvez pas jouer avec un ami qui, lui, vit dans une ville différente. Donc, non, il n'y a pas de multijoueur en ligne. Ce n'est que du local. Ça, c'est poche. Bon, sinon, aussi, au niveau de la musique, ordinaire un petit peu. Hein, c'est pas... ça marquera pas l'ère musicale là, aujourd'hui. Non, c'est... très ordinaire comme musique. Le son, lui, il est OK. Ça, c'est quand même bien. Au niveau des mécaniques, bon, c'est un jeu de combat, on demande, ce qui est impératif, c'est de la précision.
Malheureusement, le jeu Bounty Battle ne nous offre pas cette précision-là. Les hitbox sont, on dirait qu'ils sont parfois un petit peu aléatoires ou bon. J'ai de la difficulté à l'exprimer là, mais c'est ordinaire. Hein, c'est pas quelque chose de très 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 bien. L'intelligence artificielle, c'est la même chose. Vu qu'on n'a pas de multijoueur en ligne, souvent on va se rabattre à combattre l'ordinateur. L'intelligence artificielle devrait en principe être beaucoup mieux que ce qu'elle est présentement. On peut vaincre un ennemi avec seulement en lui balançant des attaques normales là, non-stop. Non, ça devrait pas. Les arènes sont inspirées des univers des différents jeux indépendants d'où proviennent les combattants. Mais hormis l'aspect visuel, il n'y a pas de différence vraiment d'une arène à l'autre. C'est tout pas mal la même chose. Pour ce qui est du graphisme, bien lui, il est beau. Ça, je le reconnais. Le graphisme est très beau. Sinon, dans l'ensemble, pour ce qui est de Bounty Battle, c'est un jeu de combat. Et malheureusement, je trouve qu'il manque la cible complètement. Oui, le jeu est beau. Mais c'est à peu près tout ce qu'il a à nous offrir. En plus, bon, d'une liste intéressante de combattants, mais malheureusement, on se lasse très rapidement parce qu'on ne se bat presque exclusivement contre l'ordinateur et avec des mécaniques de jeu très ordinaires. Donc, honnêtement, allez voir ailleurs. Bounty Battle, non. On ne va pas là. Donc, c'est Mastabruta qui vous dit à la prochaine.